Bonjour les amis. Alors, bonjour les amis. Eh bien, vous voyez du matériel là. Hein? Alors, je vais les amis vous expliquer à quoi servent les différents pieds et pourquoi j'ai autant de pieds. Je suis en train de filmer avec le RX100 Mark 7 qui est sur un petit pied Manfrotto. Un des plus légers, avec une tête, avec une ball head Arca Suisse. Alors, le modèle du pied, c'est le manque de bol, il est de l'autre côté. C'est le 290 Light. Alors, je vais mettre le micro ici, on entendra mieux. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ça dans la main? Parce que, imaginez-vous que mes grosses optiques, je les mets bien sûr pour chasser mes oiseaux sur un pied, parce qu'autrement c'est vraiment trop lourd. Mais, j'ai oublié de monter ceci, les amis. Ceci. Alors, c'est quoi ceci? Je vais vous le montrer de plus près. Voilà, c'est le Manfrotto 3229. J'ai gardé celui-ci parce que c'est marqué dessus. Et donc, c'est plus facile. Il y a un modèle un peu plus récent où il n'y a plus marqué aussi lisiblement Manfrotto. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est pratique? Parce que quand je le monte sur le pied, eh ben, je peux incliner. Je peux incliner que là, vous voyez, si je fais ça avec mon appareil photo, avec mon zoom, eh ben, je ne peux pas me coucher par terre pour prendre la photo, par exemple, d'un oiseau sur le toit. Alors qu'avec ceci, eh ben, je peux incliner vers le bas ou vers le haut. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Donc, pied, quel que soit le monopode Manfrotto, il y en a 50. Et je les achète, les amis, en fonction du poids, bien sûr, de l'optique que j'utilise. Et voilà, ça c'est terminé. Je vais le poser là pour pas qu'il tombe. Après, quand j'utilise une grande optique longue, vous voyez, ou même un 200 mm comme celui-ci, j'utilise souvent ce pied, c'est un Manfrotto aussi, avec une tête qui est différente, elle. C'est la MH804-3W. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme avantage, celle-ci? C'est qu'elle est extrêmement, extrêmement précise. À savoir, d'abord, vous la tournez dans tous les sens. Vous pouvez rentrer ou sortir les poignets. Et surtout, elle a un niveau. Elle a un niveau et quand je vise quelque chose loin et que je ne veux pas que ça bouge, si j'essaye de le faire avec un ball head, que ce soit celui-ci, et ben quand je démonte ça, et ben voilà, ça tourne. Et c'est extrêmement difficile d'arriver à... C'est beaucoup plus rapide, mais c'est moins précis. Donc pour les focales courtes, j'utilise ceci. Ou une autre version de ceci, qui est celui-ci. Je crois que c'est une version... Ça, c'est la 498 RC2. Et ça, c'est une version un peu plus pro qui a, voyez, des niveaux. Et ça, c'est la MH054MOQ2. Voilà, alors, quel que soit le modèle que j'utilise, j'achète que les têtes, les amis, qui ont les plaques Manfrotto 200PL. 200PL, c'est celle-ci, vous voyez. Voilà.
Alors, maintenant, j'ai bien sûr des optiques, par exemple comme le petit Sony avec lequel je suis en train de photographier. J'ai pas besoin de monstres comme ça. Donc j'utilise le pied le plus léger et j'utilise la même chose. Là, c'est le 494 RC2. Vous voyez, la même plaque, hein, la 200 PL, mais beaucoup plus light. Quand je fais du cinéma, les amis, j'ai la même chose où je peux pan and tilt, vous voyez, avec là aussi les niveaux, et je peux pan and tilt, voilà, et c'est beaucoup plus léger. Vous le voyez très facilement puisque le fond, vous voyez, le dessous est beaucoup plus petit. Alors quand vous voyez un petit comme ceci, eh ben, vous savez, les amis, vous savez que c'est pour des appareils qui ne sont pas trop lourds. Je mets même dessus le A7 à la condition que le Sony A7 3, à la condition bien sûr de ne pas utiliser de focale très longue et très lourde qui risque de faire basculer le tout par en avant. Et même quand vous utilisez des focales très longues, à ce moment-là, eh ben, essayez de trouver ceci. Vous voyez, c'est un adaptateur permettant de mettre l'appareil, au lieu d'être sous l'appareil, vous êtes ici. Et donc, ça recentre et il y a moins d'effet de bascule. Alors maintenant, de plus en plus, quand vous achetez des boîtiers, les amis, ça c'est Small Rig, des cages, vous voyez, ça c'est le M6 MK2. Et ben, quand vous achetez des cages, c'est livré avec la base, bien sûr, qu'on peut utiliser, et c'est compatible Suisse Arca, Arca Suisse. Et donc, sur ce petit Sony où j'ai aussi une cage, j'utilise donc l'Arca Suisse que je mets directement en dessous sur un ball head, un petit comme ça, mais où le dessus, c'est pas Manfrotto, là c'est une autre marque, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. C'est le Ilorel B36N. Il est d'une qualité somptueuse, il n'y a rien à dire. Et il ne coûte que 20 et quelques dollars, c'est incroyable, alors que l'équivalent de chez Manfrotto va coûter 50, 60, 70 dollars. Voilà, alors ceci, j'adore. Les cages, il faut faire très attention quand vous achetez une cage pour que les ouvertures, vous voyez, ne soient pas bloquées ni d'un côté ni de l'autre, que vos batteries et vos cartes mémoire soient accessibles sans avoir besoin de retirer la cage. Voilà les amis, je pense. Ah ben non, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. J'ai encore un autre à vous montrer. Donc celui-ci, vous savez. Alors ça, ce ne sont pas des têtes, tout ce que je vous ai montré, hormis celle-ci, pour le cinéma. Mais par contre, quand vous voulez filmer, les amis, faire un peu de cinéma, voilà ce que j'utilise. Alors, je vais le lever un peu, ce sera plus facile à voir. Allez, voilà. Alors, là, j'utilise, c'est plus costaud, c'est le Manfrotto 190X. Alors, il est extrêmement stable. Et dessus, j'utilise une tête cinéma, ça veut dire, c'est une tête qui, regardez ça, vous voyez comme c'est souple. Et un petit truc, c'est la Manfrotto MX, MHX Pro 2W. Alors, avantage, c'est que celle-ci a toujours mes Manfrotto 200 PL. Ça commence à être rare parce qu'ils ont mis un autre type
de plaque et sur mes appareils, je laisse toujours la plaque 200 PL et donc je peux la passer d'un pied à l'autre facilement. Alors, je vais vous donner un truc. Vous voyez, quand vous poussez, c'est extrêmement cool puisque c'est huilé, donc ça ne fait pas de secousse. Mais néanmoins, vous pouvez avoir des secousses intempestives. Hein, voilà, vous n'avez pas tiré régulièrement, poussé régulièrement, et donc vous avez une petite secousse. Si vous prenez un gros élastique, les amis, que vous mettez au bout, eh ben, vous tirez l'élastique. Et s'il y a une différence dans votre manière, votre rapidité de panning ou un choc, eh ben, l'élastique va l'absorber. Et donc, de ce fait, votre panorama, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, va être beaucoup, beaucoup plus smooth, beaucoup plus régulier. Alors, la différence, ce type de tête est très bien, mais ne fonctionne pas bien pour la photo. Pourquoi? Parce que celui-ci ne bouge que dans deux directions. Vous pouvez monter ou descendre, vous voyez, c'est extrêmement souple pareil. Et vous pouvez aller à gauche et à droite, mais vous ne pouvez pas aller en biais. Alors si par exemple votre pied n'est pas parfaitement stable, eh ben, vous aurez votre photo un peu, votre film un peu de travers. Si maintenant avec un bolide comme ceci, si c'est pas votre pied n'est pas parfaitement niveau, c'est facile puisque le bolide, lui, vous voyez, vous permet de mettre le niveau après, indépendamment du pied. Et voilà, toutes ces explications, c'était pour mes amis et pour vous, les amis, qui me demandent chaque fois, mais pourquoi tu as tellement de pieds? Eh bien, c'est que chaque pied a sa spécificité. Et en fonction du pied, si on veut avoir un bon résultat, on utilise un pied ou un autre. Voilà les amis. J'ai oublié, je vais encore vous dire quelque chose. Oh là là. J'oublie toujours quelque chose. Alors, celui-ci par exemple, les amis. Eh bien, celui-ci, quand je monte ceci, je peux aller jusque-là et l'incliner. Et voilà. Et ça veut dire avec celui-ci, pourquoi? Parce qu'il ferait effectivement double emploi avec celui-ci s'il n'avait pas ça. Ça veut dire que je peux me mettre au-dessus d'une table avec une caméra. Je filme face à moi hein, ou un peu décalé pour avoir tout. Et si je veux montrer au-dessus, eh ben, je prends une autre caméra et je me mets au-dessus, les amis, et comme ça, je peux montrer beaucoup plus de détails. Voilà, les amis, je pense que cette fois-ci, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour et j'espère n'avoir rien oublié. Voilà, on appuie et on redescend ça quand on y arrive. Alors, je ne me rappelle plus, il ne faut pas forcer. Voilà, il faut le tourner de manière à ce que. Voilà, donc deux plaques, les amis. La plaque Suisse, Arca Suisse, si vous utilisez une cage, c'est-à-dire une cage pour pouvoir mettre des accessoires. Et donc, la plus courante, la Manfrotto 200 PL, où vous allez trouver tous les types de têtes, n'importe quoi, et ceci est compatible. Donc, vous laissez la Manfrotto 200 PL en dessous de l'appareil, ce qui protège le fond de l'appareil. Vous voyez souvent que les appareils d'occasion sont rayés en dessous, abîmés. Avec la cage, eh ben, en plus, vous ne l'abîmez pas. Et le jour où vous voudrez changer, eh ben, vous aurez l'avantage d'avoir un meilleur prix puisque votre appareil ne sera pas abîmé. Merci les amis pour cette première vidéo photo qui va être suivie
d'une autre question que me posent souvent mes amis. Au revoir les amis.